Bonjour tout le monde, donc pour ce tirage pour aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser l'oracle de l'œil de lotus, que vous connaissez sûrement parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti. Et donc voilà, on va regarder en général ce que nous dit ce tirage, ce jeu de cartes. Donc je dis bien un tirage général, donc à prendre et à laisser pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Donc on va commencer. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous disent les cartes pour aujourd'hui? On voit toujours le roi, mais on voit jamais la dame. Bien comme ça. C'est mieux. Allez, on regarde. Je vais couper. Aujourd'hui, qu'est-ce que vont nous dire les cartes? Bon, celle-ci, je vais la mettre de côté quand même. Et je coupe. Donc, déjà, nous avons un isolement pour certains. Une solitude, une grande solitude pour aujourd'hui. Certains vont se recroqueviller dans une carapace pour se protéger des vents et des marées, on va dire, comme la carte l'indique, des tempêtes à l'horizon peut-être, ou un soleil, mais en tout cas, on va le faire dans la solitude et dans l'isolement. Donc on va regarder la carte qui avait sauté et qui nous dit dans un endroit calme, un endroit calme que vous aimez, qui vous permet de vous ressourcer. D'un arbre peut-être aussi, puisque bien sûr nous avons l'arbre sur cette carte ici près de l'eau. En tout cas c'est une nécessité pour vous d'aller d'aller vous évader seul, hein, vraiment pour y voir beaucoup plus clair. Donc on continue pour aujourd'hui. Sont les prévisions pour aujourd'hui pour vous. Ouais, il y a toujours cette histoire d'arbre, mais là nous sommes à l'automne, donc toujours une personne seule qui se reconnecte à la nature. Prévision d'aujourd'hui. On y va. On regarde la première carte qui nous dit une rencontre pour certains, une rencontre amicale, en amour, en tout cas entre avec de belles intentions aussi. Dans une rencontre, il y a toujours de nouvelles choses qui arrivent. Ce sera une femme, une rencontre avec une femme. Alors si c'est une femme qui regarde la vidéo, eh bien elle rencontrera une femme. Si c'est un homme, eh bien elle rencontrera une femme. Nous avons la stabilité qui arrive aussi pour cette journée. Cette rencontre va nous ancrer un petit peu, va nous stabiliser, va nous équilibrer sur des questions que l'on se pose par rapport à cette rencontre. Elle va nous stabiliser un petit peu, nous rassurer. Donc on regarde le reste du tirage.
Nous avons la transformation. L'ennemi. Et la nouvelle. Donc il semblerait pour certains qu'il y ait une transformation par rapport à des personnes qui vous auraient perturbé dans l'entourage, des personnes qui vous auraient déstabilisé. Donc cela va vous permettre de vous remettre en question et de vous transformer. Vous aurez des nouvelles d'une personne qui n'est pas du tout agréable dans votre entourage. Et cela va vous ouvrir d'autres portes, va vous permettre de vous transformer, d'être une autre personne par rapport à la décision à prendre pour cette personne qui vous gâche un petit peu la vie. Voilà pour certains. Nous avons la naissance, l'union et la carte blanche. Donc pour certains, il y a bien sûr magnifique carte, hein, pour ces trois cartes, ces dernières cartes. C'est quand même la naissance d'un enfant, bien sûr. Je ne sais pas si vous voyez la carte. La naissance d'un enfant et l'union. Ben, c'est pas mal parce que ça nous dit, ça nous parle d'un couple. Et c'est sûr et certain, hein, il y a un couple qui s'est uni pour avoir un enfant et qui est heureux d'accueillir cet enfant. Alors la carte blanche nous dit que c'est sûr par rapport à cette réalisation commune dans le couple. Il y aura cet enfant tant attendu depuis longtemps. Il arrivera parmi vous. Pour ceux qui ont du mal à avoir un enfant, et eh bien c'est sûr, vous allez avoir cet enfant, vous l'avez désiré, il va arriver. Ce sera avec plaisir d'ailleurs, ce sera avec plaisir que vous allez avoir la nouvelle d'une future naissance. Peut-être un examen de santé ou alors des analyses de sang qui vont faire qu'on va vous dire oui, c'est positif, madame est enceinte. Ça peut être aussi une union, si on parle plus de naissance, hein, mais j'ai quand même envie de dire que c'est vraiment la naissance, puisqu'on a la carte blanche qui appuie sur le tirage de cartes, qui appuie sur l'intention des deux autres cartes. Donc ça peut être aussi un projet, si on veut parler d'un couple qui a déjà eu des enfants, qui n'en aura pas d'autres. Ça peut être un projet pour deux futurs mariés, ou deux nouveaux mariés, ou un couple qui a déjà parcouru son chemin et qui arrive sur un projet de vie, un couple qui a peut-être 20 ans de mariage et qui arrive dans un beau projet en commun. Mais en tout cas, j'ai envie de dire quand même pour ce dernier tirage qu'il s'agit d'une belle naissance qui arrivera à terme pour les futurs parents. Voilà. Très beau présage, très belle prédiction. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.